Bonsoir, bonjour, c'est Selon, bienvenue sur Musique Actu. Nous allons vers les fins d'année et chez nous déjà, les fins d'année sont proches. Mettez-vous à jour, n'est-ce pas les gars? Allez! Pour ce numéro, on a choisi les meilleurs pour vous, comme toutes les semaines sur RTU 2. L'équipe a travaillé et a pu mettre la main sur des artistes dont les calendriers sont très chargés. Deux carrières, deux personnalités, deux images qui ont fait rêver les Ivoiriens, mais qui aujourd'hui connaissent encore une autre ascension dans leur carrière parce qu'un autre moteur va s'installer dans le tableau de bord de leurs différentes carrières. Je vais vous demander ici de recevoir Madame Bobara Fitini Claire Baye. Quel que soit le souci, avancez, avancez. Hé, 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 Dieu, c'est là le dernier mot. Avancez, avancez. Yeah, vite à vie, avancez, avancez. Hé, 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 Dieu, c'est là le dernier mot. Avancez, avancez. Celui-là a fait rêver dans les années 2004-2005 ici en Côte d'Ivoire avec un concept révolutionnaire tiré des pas et des gestes des footballeurs sur le terrain et surtout l'icône du sport ivoirien, Drogba Didier, Drogba Cité, Chanaka Yakuza. Une femme de feu. Yakuza et c'est le grand africain. Laissez les gens parler. Sera toujours le meilleur. En tout cas, cette introduction a été faite exprès pour vous dire que nous sommes plongés déjà dans l'ambiance des fins d'année. Et autour de vous, vous le remarquez, les sapins, les guirlandes colorées. En tout cas, l'esprit est tourné vers la fête. Et pour cette raison, on va commencer avec cette dame qui est là. Son nom, c'est Aoumone. Elle vous chante Clolé, ça veut dire l'amour. Bienvenue. Fluidité dans le mouvement, on peut tranquillement faire sa danse et sans transpirer. Et je pense que ça a attiré l'attention de pas mal de personnes. Un album de 12 titres, en tout cas, qu'on prend plaisir à vous présenter à nouveau. Et je pense que les Bellemans auront pris la mesure du talent de Aoumone. C'est son nom, il faut retenir. Voilà, allez. Claire Baye, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, vous vous faites de plus en plus rare sur les plateaux télé. Et aussi, l'on va rappeler au Mélomane que ça a commencé avec Bobara Fitini. Bien sûr. Et c'était un coup d'essai qui est devenu un coup de maître. Et alors, Claire a eu du mal à s'arrêter. Vraiment. Comme je pense, beaucoup m'ont suivi. Voilà, Claire Baye, comme je le dis toujours,
mon rêve, c'était pas d'être une artiste. Mais après, quand j'ai essayé dans le coupé décalé, parce que c'est le mouvement coupé décalé, après le Bob Arafitini, franchement, les Ivoiriens, c'est-à-dire les fans, les Ivoiriens surtout, ils sont tellement adorables, ils ont adopté le concept et adopté Claire Bailly. Voilà, avec tous ses défauts et ses qualités. Et aujourd'hui, Claire Bailly est artiste vraiment confirmée de la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc Claire Bailly bouge beaucoup. En tout cas, voilà, elle bouge beaucoup, elle voyage énormément et pour preuve, elle devait prendre l'avion hein, dans ces 48 heures-là. Bien sûr. Voilà. Donc on va dire que j'ai repoussé mon spectacle. Le voyage et voilà. Aussi, voilà, le spectacle voilà, aussi le spectacle, en tout cas pour... Juste pour cette émission, pour faire plaisir, pour voilà. Tout. Pour dire à Côte d'Ivoire que Claire Bailly est bel et bien là et très bien portante. Voilà, vous l'avez remarqué. Merci. Claire Bailly est là. Je vais très bien. En tout cas, chapeau, Monsieur Keïta. Grâce à vous, on a pu avoir en tout cas cette crème d'artiste là et Claire Bailly. C'est que le mois de décembre, par exemple, c'est une haute saison pour elle. Alors, rapidement, il faut qu'on mette les points sur les i pour que l'on ne soit pas vide en matière de présence de stars dans ce programme. Merci beaucoup, Claire. Avec vous, l'on a Shana Kayakuza. Vraiment, Shana Kayakuza, c'est un artiste qui a lancé la Drogba Cité. C'était un concept dansant qu'il fallait exécuter avec beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et quelques temps plus tard, il y a eu un petit silence. On en parlera tout de suite. Oui. Mais le retour s'annonce très bien. Ça s'est fait avec le coin d'Ilekala. Coin d'Ilekala. Le coin d'Ilekala. D'accord. Cela signifie que ce sont dans les coins qu'on deal, les rendez-vous dans les coins, un petit rendez-vous dans les coins, petit spectacle dans les coins, partout dans les coins. Coin d'Ilekala. Shana Kayakuza sur Musique Actu sur la scène. Allez, ça se passe maintenant. Il n'est pas bon. Donc il y a une femme de feu. Yakuza et des. C'est pas le clone africain. Laissez les gens parler. Sera toujours le meilleur. Yakuza et des. C'est pas le clone africain. Laissez les gens parler. Sera toujours le meilleur. Charles Caboré. Sera toujours le meilleur. Sera toujours le meilleur. On aura Ali Kamau. Ils sont pas vrais. Jalousie n'est pas bonne. Excellence Ahmed Bakayoko, le barbare d'Afrique. On s'abaisse un peu sur le coin d'il est. Bouger un peu sur le coin d'il est. Et mis les pieds sur le coin d'il est. Lève, Bouba, tu veux dire que tout. Coin d'il est, ça m'a coin d'il est. Tout coin d'il est, ça m'a coin d'il est. Digue, coin d'il est, ça m'a coin d'il est. Tant, l'acte me dit. Coin d'il est, c'est qui coin d'il est, ça m'a coin d'il est. Bravo Shana Kayakuza. Claire Bailly, toujours autant d'énergie avec Shana Kayakuza. Oui, on vous a vu bouger tout de suite là. Oui, ça le coupé décalé, on n'y peut rien. Avec le coupé décalé, on bouge toujours. Franchement, bravo Shana Kayakuza, toujours avec assez d'énergie. Je pense que vraiment, bonne arrivée. Merci. on a cru, on a cru, on
on a cru t'oublier, mais là t'es encore là. On sent encore la pêche et puis. Bien sûr, Kebaï. Voilà, bon vent toi et puis on est ensemble. Oui, voilà, on est ensemble, Kebaï, on est ensemble. On avancera. Toujours. Avancera et puis avancera Nyon Sian. Vous avez en commun de vouloir vraiment avancer parce que lui, son nouveau surnom, c'est Le Maître El Devanto. Et pourtant, votre nouveau concept, c'est Avancer. C'est donc, ça. Allez, on ira de là. Avec nous, nous avons Atito Kpata et Cisco l'Impérial, que je demande d'applaudir très, très fort. Si vous ne les connaissez pas, je vous demande d'écouter cet a cappella. C'est parti. On dit la fleur bonne, on l'apprécie lorsqu'on a perdu. Lui ne connaît le jour de son jour, alors sois patient. Le chemin de la réussite n'est pas facile. On dit vouloir c'est pouvoir, alors si tu veux, c'est que tu pourras. Mais voici, oh yeah yeah yeah, voilà ça oh. Mais voici, oh yeah yeah yeah, voilà ça oh. Tu as fait pour un boulot, sois patient. Même si ça dure, ça vient pas, faut persévérer oh. On n'est jamais pressé, faut aller de l'avant. Petit à petit, ça viendra à tes pieds oh. Lâche l'humilité, précède ta gloire. Fais jamais te presser, Dieu va donner. Voilà. Voici, yeah, yeah, yeah. Voilà ça oh. Mettez-vous à jour. Voilà, on est toujours les premiers à avoir ces concepts-là, ça marche déjà en ville. Alors, pour ceux qui viennent d'entendre ça pour la première fois, mettez-vous à jour encore une fois. Hein. À Tito Kpata et Cisco l'Impérial, on va rappeler qu'en 2002 déjà, c'était le featuring avec Doug Saga. Oui, en ça. 2003, le passage de 6 mois à Village Kii avec ouais. Pape Miopo, ça fonctionnait, on voit les traces sur vous deux. Ouais, 2004, ça. Featuring avec Doug Saga Junior. Vous continuez la saga. Premier album en 2008 et sans oublier qu'en 2009, le featuring avec Billy Billy. Donc votre chemin est tout tracé. 2011, premier album intitulé Redemption. Et 2012, la tournée européenne, ça s'est bien passé. Ouais, c'était cool. C'était on a cool. Vu tout ça sur Facebook, ça, on vous voyait partout. Ouais, c'était bien. C'était ça mentit ou c'est. Non, c'était bon, c'était bon. C'était bon, une première expérience, mais c'était bon. C'était bien. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, maxi single, Mais voici. Et on vient d'avoir la capilla. En tout cas, bravo à vous. Hein? Bravo à vous. Merci. On va également passer la fin d'année en compagnie de cet album qui va suivre. Cette demoiselle est toujours prête pour la paix. D'abord, le destin qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire lorsque le pays traversait de moments difficiles. Ensuite, réconciliation, paix et amour en Côte d'Ivoire, l'album Union qui a bien fonctionné. Aujourd'hui, elle nous demande de laisser tomber. Son nom, c'est Mama T. On l'apprécie.
pas mal métissé hein, avec des influences de reggae, de roots dedans. Participation magique Black Sound, on a reconnu la voix de Nene Roll. Laissez tomber, lorsqu'on est fâché, c'est facile à dire, mais est-ce que c'est facile à faire? Bon, quand je dis laisse tomber, parce que dans la vie, on ne peut pas appeler à tout le monde. Fais ton bon cœur, fais ce que tu as fait pour les autres. Dans tout, de toute façon, tu auras toujours des ennemis, que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, partout. Il y aura toujours des ennemis qui vont te créer des ennemis. Tu laisses tomber, tu avances. Ouais, merci beaucoup, Mamate. En tout cas, bonne et belle carrière à vous. On a apprécié le relooking. Achève vous. Vous venez de rentrer dans le milieu du showbiz, je vais dire dans le cercle des artistes. Sinon, DJ, ça fonctionne toujours. Hein. Un DJ, c'est toujours travail. Voilà. Ça va bien, le concept s'appelle comment? C'est le Mukuluwe, le Mukuluwe. Le Mukuluwe. Ça va ressembler au concept de Shanaka, on dirait. Le Mukuluwe. Oui, c'est le Mukuluwe. Ça voulait dire quoi? Le Mukuluwe, c'est la danse sexy. Mm. Ça veut dire, bébé, laisse-toi aller, faut bouger, faut bouger ton corps. DJ Asher, avec vous, on salue Chakou. Voilà, Clébaï, successivement dans l'ordre, vous venez de voir hein, Mamate. C'est une grande surprise, une découverte, non? Oui, déjà, je disais félicitations à la première qui est passée, la dame qui a chanté l'amour. Oui, oui, oui. C'est très important. Ouais, Aou Moni, voilà, qui prône l'amour. Voilà, c'est très important, il faut prôner l'amour, parce que sans l'amour, on ne peut rien. Voilà, il faut s'aimer entre nous. Et en plus de ça, Mamate tout à l'heure qui a fait voilà, vraiment une belle chanson, voilà, qui apporte vraiment un message. Ce qu'elle a dit tout à l'heure, franchement, ça m'a touchée. Voilà, pour nous autres qui sommes tirés de partout, franchement, que ce soit dans ta famille, un peu partout. Ouais, justement, donc, on en parle maintenant. Le plus important, il faut aller dedans. Oui, on en parle maintenant, Clébaï. Un moment, il y a eu une zone de turbulence forte. Hein, tous les journaux étaient occupés par Clébaï, son mariage, son divorce. Les journaux, l'internet, on va dire, franchement, c'était pas du tout facile. Ça se passe comment maintenant? Ça va? Est-ce que ça va? Oui, je rends grâce à Dieu parce que je dis que en toute chose, c'est Dieu. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a que Dieu, franchement, qui peut te donner la force pour tenir ce genre de coup. Mm-hmm. Parce que c'est pas du tout facile de savoir les gens qui parlent de ta vie sans savoir réellement ce qui se passe, sans savoir ce que tu vis réellement. Et franchement, je bénis Dieu. Je rends mais grâce parfois, à Dieu. Vous étiez, on vous voit dans les journaux en train de répondre. Donc, est-ce que c'est pas mettre de l'huile sur le feu? Oh, bon, malheureusement, vous savez, on a souvent l'obligation de donner quand même une certaine explication à nos fans, parce qu'ils sont quand même assez dans le doute, mais en même temps, quand on répond sur l'effet de la colère aussi, on dit certaines choses qui sont assez sacrées, je veux dire. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Je n'aurais pas peut-être dû rentrer vraiment dans le jeu, aujourd'hui, je pense que... Est-ce que Claire s'est retrouvée, elle est équilibrée, très stabilisée, bien, ça va? Très bien, je rends grâce à Dieu, très bien, tout va bien. voilà. En toute chose, il y a une tempête. Hein. Je dis dans la vie d'un artiste, je veux dire en toute chose, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, il faut accepter. Comme lui disait le vieux père Dja, comme Alpha Blondie, que si tu n'es pas prête, ça dit quand tu n'es pas prêt ou prête d'accepter, c'est un critique, d'accepter le coup dans le showbiz, ça ne sert à rien d'embrasser la carrière du showbiz. Voilà. Parce que tu vas tout voir. Si tu n'es pas prêt pour accepter ça, laisse tomber, va au village, c'est mieux. voilà. Un ancien également, John Gay, disait ceci, lorsqu'on ne parle pas de vous dans ce milieu, en bien ou en mal, allez vendre du pain. Franchement. c'est Naka Yakuza. Vous aussi, ça a été chaud un moment, et après la stabilité, pointe du nez, là on voit que vous êtes rayonnant et tout ça. Oui. Mais comment vous arrivez à tenir ces contre-coups-là? Parce que certaines personnes, certains artistes ne s'en relèvent plus. Oui. Alors. C'est pas compliqué. Vous savez, comme Claire Bailly tout à l'heure l'a dit, ma collègue, elle a dit avec Dieu, rien n'est impossible. Vous comprenez ça? Moi, je rends gloire à Dieu. Je dis merci en tout cas pour ce qu'il fait pour moi. Vous comprenez? Le showbiz, c'est un milieu. Si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu n'es pas fort d'esprit, c'est pas la peine. Parce que ce que tu verras, tu vas rencontrer, tu vas traverser, ce que tu vivras, te rendra peut-être fou si tu n'es pas fort. Quelles sont les décisions sur le papier? Bon, à partir de maintenant, moi, Shanaka, voici, allez. Quelles sont les résolutions que vous avez prises? Aujourd'hui, moi, Shanaka, quand je dis le maître El Devanto, je ne regarde plus derrière. Ça veut dire, c'est pas que j'oublie mes parents, la famille ou bien d'où je viens, non. Mais quand je dis je ne regarde plus derrière, ça veut dire tout ce qui s'est passé, c'est le passé. J'avance maintenant avec mes fans. Et j'avancerai toujours dans le coupé décalé. Hormis ça, j'embrasse aussi
d'autres sections. Oui, ouais, ouais, de la musique, surtout la rumba. Bien sûr. On vous écoute alors. La vie est la vie, ne pas s'aimer c'est difficile. La vie est la vie, aimer seulement. La vie est la vie, ne pas s'aimer c'est difficile. La vie est la vie, aimer seulement. RTI2, madame, monsieur, toutes les semaines, vous avez une bonne dose de bonne humeur et aussi une somme de stars et d'aura. En tout cas, qu'on vous propose pour meubler votre temps devant votre petit écran. L'émission est réalisée et mise en onde par Keita Sidiki. Il est avec une grande équipe de télévision que je demande d'applaudir très, très fort. Et cette année, on va faire fort pour vous. Au lendemain de la fête de Noël et aussi à la nouvelle année, l'équipe se prépare à sortir quelque chose de costaud. Soyez prêts, toutes les stars seront là. Et Shkley Bahi, après l'avion, quand tu atterris, tu viens, hein? Non, non, je serai là en décembre. En route, tu appelles les autres stars, vous venez. D'accord. Alors, Shkley Bahi, musique, danse, publicité, en tout cas, ça marche. Business. Hein, la, oui, business, oui, la, business aussi. Oui. Bon, je sais pas si. Bon, je vais dire, je suis dans tout ce qui est vente, par exemple, ce genre de trucs. Bon, bref. Accessoires. Voilà, exactement. Ah, super. Parce que je bouge beaucoup. Donc, c'est vrai que le coupé décalé, quand tu bouges beaucoup, ça nourrit son homme. Mais en même temps, nous, on a un train de vie vraiment qui n'est pas du tout facile. Le coupé décalé, il faut avoir des grosses voitures, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, en même temps, et Claire Bailly. Hormis la musique, je fais beaucoup d'affaires en même temps. Donc, c'est pour dire à tout le monde, à tous ceux qui veulent embrasser la carrière. C'est vrai que, comme on le dit, hein, moi, je me donne 5 ans encore. 5 ans encore et puis après, parce qu'il faut laisser la place à d'autres. D'accord. Est-ce qu'il y a des facettes de l'art que vous avez exploitées qu'on ne connaît pas? Lorsqu'on voit votre taille, on se dit, bon, elle serait bien comme Miss, comme mannequin. Oui, ça. Oui, oui. Pourquoi pas? Parce que là, même pour le mois de, on va dire, hein, le mois de mars, je pars pour un rendez-vous du côté de l'Italie parce que j'ai envie de poser pour les catalogues, voilà, parce que je fais 1m80, ouais. Je fais 1m80. Une belle taille, une belle taille, une belle taille. Et c'est quelque chose, la mode, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, donc c'est pour dire que, hormis ça, c'est vrai, hormis, comment on appelle ça, la danse, je veux dire la musique, je vais embrasser cette carrière aussi. Mm-hmm. C'est vrai que je ne suis plus assez jeune, je n'ai plus 17 ans pour défiler sur l'été. Mais vous n'êtes pas vieille. Je vais dire, je n'ai pas 17 ans, ouais, mais... voilà, pour défiler sur l'été, mais en même temps, je vais poser, pourquoi pas, comme mannequin dans les catalogues, et pourquoi pas pour défiler aussi pour les couturiers de chez moi. D'accord. Voilà, j'aime bien la mode et avancer avec beaucoup de choses. Voilà, vous faites... Vous faites 1m80, c'est pour cette raison, toi, vous et moi, on n'est jamais côte à côte. Et alors, avancer, c'est une réponse, c'est une réaction à une situation, bien entendu, le dernier concept. Bien sûr, je le dis toujours dans mes interviews, dans mes colonnes, que je m'inspire tout le temps de ma vie privée, c'est-à-dire de ma propre vie. Voilà, le Boba Rafitini, je me suis inspirée de moi-même, ils ont sorti le Boba Rabba. Et après ça, il y a eu « À connaît pas » demandé, les gens ne savaient pas, ils parlaient beaucoup, parce que quand je suis revenue de la France, j'ai eu pas mal de soucis. Et après ça, les gens, ils parlent, oui, Claire Bailly a fait ci, Claire Bailly, ils savent rien. J'ai dit « À connaît pas » demandé, après ça, il y a eu la souplesse, il y a eu la crise, j'ai demandé à tout le monde des soupes. Après ça, il y a eu comme ceci, comme cela. J'ai dit Claire Bailly comme ceci, Claire Bailly comme cela. Je le fais pas, les gens vont toujours parler. Donc, en tout cas, parler seulement. Après ça, il y a eu tiens ça. Tiens ça. Donc, après, tiens ça. J'ai dit tiens ça à tout le monde parce que tiens ça. Pour dire que je ne savais pas que j'allais être aujourd'hui une artiste, c'est-à-dire une grande artiste ici chez moi en Côte d'Ivoire. Et pourquoi je dis tiens ça, je dis à tout le monde vraiment, tenez bien ce que Dieu vous a donné. Mm-hmm. Moi qui ne pensais pas être une grande artiste dans mon pays un jour. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. Donc, il faut bien le tenir. Le peu que tu as, c'est-à-dire le travail que tu fais, si tu le tiens bien, Dieu te bénira là-dedans. Donc, il faut avoir foi. Merci beaucoup. Voilà. Et après ça, il y a eu la tempête. Et c'est après cette tempête, ça m'a inspiré. J'ai dit, waouh, même l'essentiel, c'est pas de tomber. Quels que soient les ondits, le plus important, c'est d'avancer. Car Dieu seul a le dernier mot. On se retrouve la semaine prochaine. Quels que soient les ondits, avancez, avancez. Hé, hé, Dieu seul a le dernier mot. Avancez. Avancez, avancez. Dieu, c'est là le dernier mot. Avancez, avancez. Moi, les défauts, yeah. Tout ça, la vie, maman, les yoa. La colère, c'est beau. La colère, c'est beau. On m'a t'allé, yo. Avancez, avancez. Les fallait t'allé, yo.